Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre ces entretiens avec Maurice Genevoix, lieutenant en 14, 14-18, qui nous raconte à partir de son livre Ceux de 14 de courtes des historiettes, de courtes histoires. Et celle-ci est une fois de plus originale en son genre. C'est le pauvre soldat qui marche sur deux coudes, notamment. Et le dernier qui avait un pied broyé. Oui, les soldats de Maurice Genevoix regardent passer des blessés français qui se traînent là. Et le dernier qui avait un pied broyé, broyé, le pauvre, ah, qui sautelait bizarrement sur les coudes et sur un seul genou. Vous vous rendez compte? Il marchait sur ses coudes et sur un seul genou. Et qui s'est arrêté pour rouler une cigarette en plus. Il va à tout prix continuer à vivre comme avant. Ses mains tremblaient si fort qu'il déchirait les feuilles les unes après les autres. Lardin, un soldat de Genevoix, a roulé la cigarette, la lui a mise à la bouche et l'a allumée. Ouais, parce que le pauvre gars ne pouvait plus rien faire, quoi. L'homme disait cependant, j'ai tout de même une sacrée veine, c'est un optimiste, hein? Une sacrée veine. Je venais de passer auprès des officiers, il y en avait trois. Le capitaine Desoignes, le lieutenant Duféal et le sous-lieutenant Moline. Qu'est-ce qu'il en reste après ce tout-but? Je venais de passer. Je m'en tire pour pas cher. Ouais, le pauvre. Il médite. Il médite, ouais. À la destinée humaine. Un obus qui tombe, vous n'êtes plus là. Mais lui, il est toujours là. Fumant à longue bouffée. Ouais. Pendant que son pied saigne sur la boue. Ouais. Et il reprend. Lui qui vit encore. Puisqu'il n'y a pas un coin de cette crête où qu'il n'y ait pas tombé un obus, ou qu'il n'en tombera pas un, faut changer de place au bon moment pour recevoir un obus en plein. Si j'avais pas changé de place, moi, j'aurais reçu le même obus que trois, le capitaine, etc. J'ai changé de place. Moi, j'ai changé de place. J'ai eu de la veine. J'ai eu de la veine, oui. Ben, il savait qu'il fallait changer de place tout le temps. On ne sait jamais. Il remercie Lardin, se met à quatre pattes et reprend sa marche effarante sur deux coudes et sur un genou. C'est pourtant vrai ça qu'il disait. Murmure Boiré près de moi. Ouais, faut aller changer de place. Pas être là où l'obus allait tomber. Hein? Mais comment savoir tout ça? C'est dans Les Éparges, subdivision du livre de Maurice Genevoix. La marche sur deux coudes, terrible, comme une sauterelle, presque. Voilà. Eh bien, vous pourrez raconter ça aussi ou le faire voir, voilà, à des amis, parce que c'est extraordinaire tout ça. Extraordinaire. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Marcher sur deux coudes et un genou. Voilà. Pauvres gens, pauvres jeunes hommes. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.